Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Ravie de vous retrouver, comme tous les lundis soirs, pour le point de l'actualité sportive de la semaine. Alors, grosse actu basket, hein, oui, avec le tirage au sort de la Coupe du Monde. On analysera bien évidemment la poule de la Côte d'Ivoire et tous les autres sujets qu'on va développer ce soir et que je vous propose tout de suite de découvrir dans le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce soir, dans NCI Sport, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires à la Coupe du Monde de basketball. Réaction et analyse dans un instant. Haruna Dendane s'est confié à NCI Sport, entretien exclusif. Ancienne star de la Ligue 1 ivoirienne, Kevin Zougoula est passé de la lumière à l'ombre. Comment l'ancien attaquant vedette du CO Sport de San Pedro nous raconte sa triste histoire dans un doc inédit. Le powerlifting n'est pas qu'un sport d'homme. Nous avons passé une journée avec des femmes qui pratiquent ce sport. On dévoile tout dans le Inside. Et voilà un gros programme, hein, comme tous les lundis soirs. Je vous rappelle qu'on est ensemble pendant une heure pour en parler. Et bah oui, je ne suis pas seule, hein, bien évidemment, autour de cette table. On va parler basket. Donc oui, je dirais notre consultante préférée en ce qui concerne le basketball. Elle est ancienne internationale ivoirienne, Patricia Lorougnon. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bon, ben, bien. Vous savez que quand on parle basket, eh ben, c'est vous, hein, forcément. Bah, voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir. Pareil. Et j'imagine que les téléspectateurs sont aussi contents, hein, de vous voir, ceux qui vous ont suivi, hein, dans votre grande et belle carrière. Et ben, aujourd'hui, vous retrouvez dans NCI Sport. Allez, on va commencer donc avec cette grosse page basketball. Le tirage au sort de la Coupe du Monde de basket s'est tenu samedi dernier à Manille, aux Philippines. Au terme de ce tirage, eh bien, la Côte d'Ivoire est tombée dans la poule G en compagnie de l'Espagne, du Brésil et de l'Iran. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahamat Koulibaly, le sélectionneur Dejan Prokic et le capitaine Stéphane Konaté ont donné leurs impressions. Eh bien, je vous propose de les écouter, on en parle juste après. Le tirage au sort s'est très bien passé ici à Manille. On connaît maintenant notre sort, on sait ce qu'il y a à faire. Et donc voilà, ce sont des sentiments de combattants, de défis, et je pense que on est là pour ça. Voilà ce que je peux dire. About the draw, it's always. C'est toujours un plaisir d'être au tirage au sort d'une Coupe du Monde. C'est la plus grande compétition de basket, la plus grande compétition pour un joueur de basket. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici, aussi pour la Côte d'Ivoire. Et ça montre que nous faisons partie de l'élite. Ça envoie le message qu'on travaille et qu'on travaille bien. Et on a hâte de participer à cette compétition du plus haut niveau. À propos du groupe en lui-même, on ne peut pas dire qu'il est très difficile ou très facile. Ça aurait pu être mieux, comme ça aurait pu être pire. C'est un plaisir de jouer contre une des meilleures équipes du monde, l'Espagne. Dans tous les sports, on aime affronter les meilleurs. Ça nous donne une idée sur ce qu'on fait et ce qu'on doit corriger, sur ce sur quoi on est bon. C'est une grosse expérience pour nous. On doit étudier les adversaires, on doit faire une bonne préparation. Et après, on verra quelles sont nos chances face à ces deux équipes. Bien sûr, c'est une top compétition, avec un top niveau. Et dans cette compétition, il n'y a pas de match facile, ni de mauvaise équipe. Mais je pense qu'on a aussi notre mot à dire. Et qu'on peut valablement représenter le pays. We can represent country in the best possible light. Je pense que cette poule est plutôt difficile. Comparé aux autres poules, les autres pays africains qualifiés. Si nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est que nous sommes capables de pouvoir jouer contre toutes les équipes de la Coupe du Monde. Et nous sommes capables de se qualifier et de jouer le second tour. Donc moi j'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance au groupe, j'ai confiance en la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'on va donner le maximum pour pouvoir rendre fiers les Ivoiriens et surtout tout faire pour se qualifier pour le deuxième tour et aussi se qualifier pour les JO. Voilà, absolument. Donc on y croit, on y croit. La poule G, hein, dans laquelle est logée la Côte d'Ivoire, donc je le rappelle, aux côtés de l'Espagne, du Brésil et de l'Iran. Alors Patricia Lorougnon, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? La poule de la Côte d'Ivoire est assez relevée, mm-hmm. parce qu'on a l'Espagne dans le ranking FIBA. Actuellement, l'Espagne est numéro 1. Le Brésil est en 13e position. Il y a l'Iran qui est aussi en 22e position, et la Côte d'Ivoire en 42e position. Donc, les gens pensent, j'entends ça et là, que bon, ben, l'Iran, ça peut passer. Ben, je dis
ça va être dur parce que ce sont forcément l'Iran, des matchs pièges. Ben voilà, l'Iran, ce sont, y a beaucoup de comment on dit ça, de naturaliser. Mm-hmm. Alors c'est une nation qui joue, qui participe à de nombreux tournois avec des Américains. Ils ont aussi le championnat des pays arabes. Ils ont leur championnat à eux. Ils vont souvent en Espagne jouer. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui est assez solide. Mm-hmm. Bon, le Brésil, c'est vrai que le Brésil a été deux fois quand même champion du monde, mais ça remonte, ça date. Mais c'est une nation aussi, après le foot, après le foot, on parle basket et volley. Donc, le basket et le volley se chamaillent un peu la place numéro 2. Mm-hmm. Et c'est une nation basket. Il y a deux joueurs qui sont en NBA et je pense que ça va être encore un peu plus costaud. Bon, on ne parle pas de l'Espagne. Hein, parce que dire de l'Espagne. On ne parle pas de l'Espagne. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse poule. Mm-hmm. Voilà, c'est une grosse poule et... On y croit. Bah voilà, il faut. Bah oui, voilà, il faut y croire. Il faut y croire. Voilà. Alors, Patricia, bon, on a parlé de la poule. Moi, je voudrais qu'on parle de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres nations africaines, ouais. Puisque il y a 5 nations africaines en lice dans cette Coupe du Monde. Est-ce que on peut, à défaut peut-être d'espérer être champion du monde, être au moins la meilleure nation africaine quand on regarde les tirages des autres poules, Patricia? Ben, quand on regarde le tirage des autres poules, je me dis que ça va être un peu dur. Ok. Oui, ça va être dur parce qu'on a l'Angola qui est avec la République dominicaine, avec l'Italie et les Philippines. Bon, voilà. L'Égypte, c'est un peu costaud aussi. Le Cap-Vert peut créer la surprise. Et bon, le Sud-Soudan, c'est vraiment... Forts, hein. Ah ouais. Donc, la Côte d'Ivoire, ce sera, comme on le dit, ce sera chaud. Ce sera chaud, ce sera très compliqué, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on y croit. Et de toute manière, hein, découragement n'est pas ivoirien, quoi. Ah bah donc on y croit. Bon, ben moi je suis contente de vous entendre tenir ces propos, Patricia. Alors, bon, ben on a voulu savoir ce que vous pensiez de la poule des éléphants basketteurs. Place à vos réponses recueillies par Marco Seri dans Facecam. Je trouve que la poule est vraiment difficile, mais j'ai la foi qu'on va y arriver. Le Brésil, c'est une grosse équipe. L'Espagne, c'est une grosse équipe, mais le reste, on va les pilonner. Éléphant, c'est éléphant. Il n'y a pas deux éléphants. À vue d'œil déjà, le Brésil, l'Espagne sont véritablement des équipes plus fortes et au niveau aussi de l'Iran. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a cette chance de pouvoir vraiment aller loin. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule G, une très grosse poule assez relevée avec l'Espagne, le Brésil et l'Iran. L'Espagne et le Brésil dans le top 15 dit que ces équipes-là sont d'un très top niveau, mais nous sommes au mondial. Nous allons encourager les éléphants. Il va falloir faire une préparation assez rapide et faire le rappel des troupes pour une bonne compétition au Mondial 2023. Nous avons des ténors comme l'Espagne et le Brésil qui ont pour habitude de participer à cette compétition. Et pour l'Espagne, prétendant au titre, donc on pourra dire que ce n'est pas une poule totalement facile pour la Côte d'Ivoire. Mais nous avons la possibilité de faire bonne figure avec tout le travail qui est fait au niveau de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons la possibilité de faire bonne figure. Deux équipes sur trois que nous devons affronter, qui ont un niveau quand même assez bon. Et ça sera vraiment, c'est une poule, je pense, qui est quand même difficile. La Côte d'Ivoire a ses cartes à jouer, mais je pense que c'est avec tout ce qu'on a connu comme querelle et grabuge dans les coulisses, je pense que nous devons très vite penser cette blessure-là, réparer tout ça, et puis on pourra faire une bonne Coupe du Monde.
Voilà, bah, c'était vos avis. Et comme je le disais, eh ben, oui, on est tous derrière nos éléphants, on y croit. Et on va faire une très très belle Coupe du Monde. Alors de la Coupe du Monde à la Basketball African League, il n'y a qu'un seul petit double pas, si je puis me permettre. Après la conférence Sahara, eh bien, la conférence Nil a débuté le mercredi 26 avril dernier au Caire, en Égypte. Sept matchs ont déjà été joués. Armel Yao et Moon nous font le point. La conférence Nil de la Basketball Africa League 2023 a démarré mercredi au Caire. On fait le point. Après la conférence Sahara qui a dévoilé ses quatre représentants pour les playoffs de la saison 3 de la BAL, c'est au tour de la conférence Nil de nous offrir du spectacle. En match d'ouverture, le représentant du pays hôte, Al Ahly Sporting Club, s'est imposé face au Mozambicain du Ferroviário da Beira, 92-74. Le lendemain, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud est venu à bout de Slack de la Guinée, 75-68. Dans la foulée, le Petro Luanda d'Angola de l'international ivoirien Solo Diabaté a eu raison de City Oilers d'Ouganda, 89-71. Samedi, pour leur deuxième match, les Angolais ont défait du Ferroviário da Beira 101-76. Dans ce match, l'Ivoirien s'est contenté de 4 points et 3 passes. Peu de temps après, Al Ahly Sporting Club s'est imposé 72-70 face à City Oilers. Défait à deux reprises, le Ferroviário da Beira s'est relancé en dominant Slack 109-97 dimanche lors de la troisième journée. Quant au Petro, il enregistre son troisième succès en disposant des Sud-Africains de Cape Town, 87-48. Prochaine journée, ce mardi. Notons que les quatre qualifiés de la conférence Nil pour les playoffs, qui se joueront à Kigali au Rwanda, seront connus samedi à l'issue de la dernière journée. Patricia Lerougnon, comment jugez-vous le niveau de cette compétition ? Alors, personnellement, je trouve que le niveau de la conférence de Dakar est beaucoup plus relevé. J'en ai même discuté avec certaines personnes qui sont actuellement au Caire. Mm-hmm. Et ils abondent dans mon sens. Mm-hmm. Voilà. On sait, bon, il y a Al Ahly. On voit que le Petro ne force vraiment pas. Je trouve que le Petro ne force pas beaucoup. Mmh, mmh. Ils sont déjà qualifiés, pratiquement. Donc, enfin, même pas pratiquement, ils sont déjà qualifiés. Mmh. Et donc, ce sera aux autres à se battre, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que le Slack a perdu, mais on a vu un peu les rebondissements qu'il y a eu à Dakar. Donc, avec une victoire même, ils peuvent être qualifiés et tout. Donc, pour l'instant, c'est le Petro et puis le Al Ahly qui sont devant, qui passent, qui roulent, qui jouent tranquille, quoi. Est-ce que c'était prévisible, ça ? Bah, franchement, cette prédominance de ces deux grandes nations, quand même, de ces deux grandes équipes, plutôt, du basketball. Bah, oui, je pense quand même. Hein, parce que quand on dit Petro, c'est vrai qu'il y a le nom, mais il y a les joueurs aussi. Mm-hmm. Hein, quand il y a Moraïs... celui-là, c'est quand même c'est la star même du basket angolais. On a aussi notre compatriote Solo Diabaté. Eh ben, absolument. Voilà. Un mot sur la prestation de Solo Diabaté. Ben alors là, je trouve qu'il joue juste. Il joue tranquille. Mm-hmm. Il force pas beaucoup. Mais il joue juste, voilà, il distribue comme il a l'habitude de le faire, il a la vista, il fait des passes quand il faut, il défend aussi quand il faut. J'ai vu son avant-dernier match, il y avait une défense un peu solide. Mm-hmm. Et franchement, il joue tranquille. Voilà. Je pense qu'il se préserve peut-être pour les phases finales au Rwanda. À Kigali, absolument. Oui. Alors justement, on va faire quelques prévisions. Hein. Mm-hmm. On va essayer de se prendre pour Irma Laboule. Quelles sont les équipes qui vont se qualifier selon vous ? Alors déjà, comme je l'ai dit, Petro, Al Ahly, et après, je me dirais peut-être, c'est compliqué, les Ougandais, parce que les Mozambicains, bon, je... Ou alors on va essayer de voir ceux qui ne seront pas
qualifiés, donc, peut-être. Comme vous voulez, allez-y. Voilà, ceux qui ne seront pas qualifiés, je pense, hein, je pense qu'il y aura le SLAC de Guinée et puis les Ougandais. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, hein, Patricia Lerougnon. Merci d'être venue nous éclairer un petit peu sur le basketball. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On va marquer une toute petite page de publicité. Dans quelques instants, eh bien, vous aurez droit à un inside. Oui, on sera en mode powerlifting. Hein, donc, restez avec nous. Et puis, il y aura également un entretien exclusif avec l'ancien international ivoirien Haruna Dendane. Alors, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Deuxième partie de l'émission. Ben merci hein, d'être avec nous et d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30 ben pour analyser l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Et les consultants se relaient sur notre plateau. Oui, on appelle ça un petit remplacement basket. La sortie de Patricia Lerougnon et l'entrée hein, sur le terrain de notre Nasser Eddy. Bonsoir Nasser. Salut Thierry. Comment allez-vous? Ça va, super. Ça va. Bon, ça a été la semaine. Ouais, surtout un très beau week-end rempli de foot. Mm-hmm. On en parlera tout à l'heure. Certainement, ouais. Certainement. Alors, avant d'enchaîner avec le reste du programme, eh bien, je vous propose tout de suite un petit tour d'horizon. Hein, oui, de pas mal de disciplines avec Armel Yao et Moon. C'est dans NCI Sport News. Parcourons les stades, les salles et les pistes pour le point des autres actualités sportives. Boxe. Une académie pour Gobe Alou. L'ancien boxeur ivoirien Gobe Alou a annoncé la construction d'une académie de boxe ultra moderne en Côte d'Ivoire. Sa mission première, la formation des champions de demain à l'échelle africaine. Tout démarre le samedi 23 décembre avec la cérémonie baptisée la Nuit des Légendes à Paris. C'est un dîner gala pour lever des fonds et présenter le projet en vue de créer l'adhésion autour du projet. Trophée Barthès U20, la Côte d'Ivoire 5e. Les Elephanto Rugbymen U20 ont terminé à la 5e place du Trophée Barthès. Les Ivoiriens ont dominé la Zambie en match comptant pour la 5e et 6e place du Trophée Barthès 2023 sur le score de 27-20. Ce deuxième succès dans le tournoi a permis à la Côte d'Ivoire de terminer à la 5e place. Les Elephanto font mieux que la saison dernière. Omnisport, le CNO Côte d'Ivoire en Assemblée Générale Mixte. Maître Ngouan Georges, président du Comité National Olympique, a dressé le bilan de sa première année de gestion lors de l'Assemblée Générale Mixte tenue samedi au siège de la Confédération Africaine du Handball à Cocody. Au terme de cette réunion, qui s'est tenue à huis clos, le patron du CNO Côte d'Ivoire a indiqué que désormais 30% de femmes siégeront au comité exécutif et les athlètes seront présents dans l'instance de décision du CNO. Par ailleurs, il a été créé une instance arbitrale pour régler les litiges sportifs. Le CNO annonce également la tenue du Festival des sports olympiques du 5 au 7 mai prochain à Dambokro. CAN 2027, les candidats connus. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des pays candidats à l'organisation de la CAN 2027. Ce sont l'Algérie, le Botswana, l'Égypte et la Triple Association Kenya, Ouganda et Tanzanie. Ces intentions devraient être formalisées le 23 mai prochain, date limite des dépôts de candidature. Le pays hôte sera désigné après les visites d'inspection de la CAF qui auront lieu du 1er juin au 15 juillet. Football local, les dates de la nouvelle saison. La Fédération ivoirienne de football a dévoilé les dates de la saison 2023-2024 pour les différents championnats nationaux. Tout commence le dimanche 6 août avec la Supercoupe. La Ligue 1 va débuter le 2 septembre, la Ligue 2 6 jours plus tard. La Division 3, la Ligue 1 et Ligue 2 féminine démarrent quant à elles respectivement le 6 octobre, le 20 octobre et le 3 novembre. Les compétitions de la Division régionale et des districts seront lancées le 1er mars 2024. Voilà, allez, on va poursuivre avec une discipline sportive réputée pour être réservée aux hommes. Et d'ailleurs, c'est une discipline que Nasser Eddy pratique hein, tous les week-ends. Ah bon? Oui, oui. J'ai hâte de découvrir. Le powerlifting. Oh. Non, c'est pas vrai, je me trompe peut-être.
Peut-être. Je vous en dirai plus après. Alors, sachez que le powerlifting, eh bien, c'est une discipline qui est de plus en plus pratiquée hein, pour la gente par la gente féminine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sport ? Quelles sont les raisons hein, qui poussent les jeunes filles à s'adonner à un sport aussi physique ? Réponse dans le Inside de ce soir qui vous est proposé par Yves Borisvet, Armel Yao, Hervé Kiesse et Moon. Regardez. Salut à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à un sport assez atypique, le powerlifting, un sport très physique qui voit même la gente féminine s'intéresser à cela, vous pouvez y croire. Et bien curieux que nous sommes, nous avons décidé de rendre une petite visite à une pratiquante de cette discipline pour qu'elle puisse nous instruire là-dessus. Are you ready? Let's go! Salut NCI Sport, bienvenue chez moi. Ah bah, c'est un réel plaisir de vous retrouver, championne. Comment ça va ? Ça va super et vous ? Oui, ça va. Allez, venez rentrer. Papa, voilà, c'est NCI qui est là. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est mon cocon familial, c'est ici que j'ai grandi. Et tout. Ouais, là, c'est ma famille. Eh, Vira, je peux m'apporter mon sac, s'il te plaît. Alors, je suis Marinda, athlète. En powerlifting dans la catégorie des moins de 69 kg. Tout a commencé il y a 8 ans. Voilà, je fais du fitness maintenant il y a 8 ans. Est-ce que tu as mis toutes mes affaires dedans ? Ok, merci. Okay, pas de problème. Donc, ça fait 8 ans maintenant que je fais du fitness et il y a 2 ans de cela que je me suis inscrite dans l'association de powerlifting Côte d'Ivoire. Alors, comment je me suis intéressée à ce sport ? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dépasser ses limites. Au début, je n'étais pas informée qu'elle faisait ce genre de sport. Elle m'a dit qu'elle partait faire le sport. Pour moi, je voyais la gymnastique, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et puis, elle allait faire une compétition au Maroc. Et puis, elle m'envoie les vidéos. Et je dis, attends. Tu t'en vas soulever les poids, alors? À chaque fois qu'elle partait au sport, je ne savais pas qu'elle soulevait les poids. Donc, c'est son papa qui m'a informé. Il dit, bon, c'est une bonne chose. Bon, papa, Momo, je pars en salle de sport, donc à tout à l'heure. Bon, maintenant, je me suis changée. Maintenant, on va vous présenter l'équipe nationale. Kassim, d'homme de fer, champion national et champion d'Afrique. Voilà. Lui, c'est le président Gustave. Voilà, notre coach en même temps, Toutou, champion d'Afrique aussi. Volcus Love, alias Signature. La Signature, toujours. SL Nord, Babacher, Noah, la star. Queen Amazon, champion d'Afrique, champion de Côte d'Ivoire aussi. Champion partout. C'est notre vice-champion d'Afrique, champion national aussi. Et lui, c'est notre champion national. Champion junior, Annabelle, qui était aussi champion d'Afrique. Et championne aussi nationale. Bon les filles, aujourd'hui on va faire un programme de deadlift, levé de terre. On va monter en gamme, c'est-à-dire on va monter en charge progressivement. Voilà, on ne va pas forcer. Il faut bien les tirer partout, hein. Tous les muscles, le bas du dos, les épaules. Le powerlifting est un sport de force, comme la boxe, comme le judo, comme un lancer de poids. On va commencer la séance en tant que telle. Une séance de soulever de terre, qui consiste à fléchir en position de, voilà, en flexion de jambes, récupérer la barre et puis se lever. Ça m'a toujours plu de savoir comment je peux me dépasser. Et c'est ce qui m'a poussé à rentrer dans ce sport. Après avoir fini de travailler la technique et force au soulever de terre, on va venir renforcer les jambes. La partie avant des jambes, la partie arrière, voilà. Donc, on y va. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je trouve ça top de voir des dames comme ça pratiquer un sport dit pour hommes. Forcément, Nasser, j'ai envie de vous poser cette question-là tout de suite. Non, c'est pas est-ce que vous pourriez faire ça, parce que je pense qu'on a tous la réponse, mais est-ce que vous pourriez laisser votre compagne, voilà, pratiquer un sport pareil ? Ouais, franchement...
Là, vous me prenez au dépourvu, mais je pense que oui, quand même, ouais, pourquoi pas. Mais oui. Je me dis que écoute, ça participe de l'entretien de la forme. Et puis, bon, il n'y a pas de mal non plus. Ça ne masculinise pas forcément la dame ou la fille qui pratique le sport. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Et moi, je suis très contente qu'on ait eu ce insight parce que ça permet aussi de mettre la lumière sur toutes ces pratiques, toutes ces disciplines dont on n'entend pas forcément parler. Et bien, en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que ça a été une très, très belle découverte pour vous. Allez, on va enchaîner avec la suite du programme. On va partir maintenant pour l'entretien de ce jour qui nous conduit chez un ex-international ivoirien. Alors, avant de le présenter... est-ce que vous saviez que... Allez, je pense qu'on se trompe tous sur son nom. Oui, et il nous l'a dit. Alors, on lui a posé la question. Est-ce qu'on dit Haruna Dendane? Est-ce qu'on dit Haruna Dendane? Eh bien, figurez-vous que la bonne réponse, c'est Haruna Dindani. Oui, en référence à ses origines nigérianes. Voilà, donc c'est Haruna Dindani, ouais, retraité hein, depuis 2014. Eh bien, que devient-il? Quel souvenir garde-t-il de son passage chez les éléphants? Ses rapports avec Didier Drogba et quelles sont ses ambitions pour les années à venir? Le meilleur joueur du championnat belge saison 2003 s'est confié à Yves Borisvet, Armel Yao, Hervé Kessé et Moon, regardez. Il a fait les beaux jours des éléphants de Côte d'Ivoire à l'époque de la génération dorée. C'était un dribbleur fou. Ce joueur, c'est Haruna Dindane. Ça va? Oui, ça va bien chez toi. Ça va, merci. Mais on est là, on se porte bien. Oui, merci. Du coup, est-ce que tu as toujours les beaux restes d'avant, les coups de rein déroutants et autres? Hein? Écoutez, on va voir ensemble. Hein, si... Bon, on va essayer quand même, tiens. Ouais, bon. Bon, écoutez, normalement, ça ne doit pas tomber. Mais la technique, de toute façon, il y a une chose. La technique, on ne la perd jamais. Mais j'ai perdu physiquement. Hein. Ouais. Donc ça va être compliqué. Ouais. Les coups de rein, là, ça va être compliqué. Voilà. Bon, c'est bon. On a vieilli. Hein. On ouvre le premier chapitre de cet entretien par votre carrière internationale. Vous rappelez-vous de votre première sélection? C'était contre le Rwanda. Au Rwanda, donc ça, je l'oublierai jamais, peut-être, pardon. Mm-hmm. Voilà. En 2006, la Côte d'Ivoire joue la finale de la CAN et participe à la Coupe du Monde. C'était quoi l'ambiance? C'est une page de l'histoire du foot en Côte d'Ivoire qu'on a écrit, parce que c'était la première fois qu'on se qualifiait pour une phase finale de Coupe du Monde. Donc l'ambiance était magnifique. Lors de la Coupe du Monde 2006, la Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour, mais tous les observateurs du football saluent votre performance. En tant que joueur, vous avez ressenti quoi? Écoutez, on n'avait pas d'expérience. C'était la première fois qu'on participait, donc on découvrait. Je pense que ça a été un petit peu aussi pas trop quelque chose de pas trop à notre faveur, parce qu'on découvrait. Mais on a appris. On a fait notre première victoire et pour la deuxième qualification, on devait faire mieux, mais malheureusement, on est tombé dans une poule où voilà, c'était quand même de grosses écuries, mais on ne regrette pas. Je pense qu'on s'est battu, je pense, et ça, c'est ça qu'il faut retenir au-delà du résultat. Votre duo avec Didier Drogba a été l'un des plus performants en équipe nationale. Comment est né ce duo? Écoutez, c'est venu par hasard. Hein. Je pense que quand on est joueur professionnel, je pense qu'on doit connaître chacun, les forces et les faiblesses de chacun afin de bien concocter les choses. Et donc moi, quand Didier est arrivé, j'ai senti tout de suite que c'était quand même quelqu'un qui savait marquer des buts. Et donc, moi, mes qualités, au-delà de l'élimination, au-delà des actions, je savais qu'on pouvait former un bon duo. Je savais que c'était un tueur, c'était quelqu'un qui... Il ne lui fallait pas beaucoup pour marquer. Et donc, moi, tout de suite, voilà, je savais que ça allait prendre. Qu'est-ce qui a manqué à votre génération pour gagner la CAN? Ce sera difficile de le dire, mais c'est clair qu'il y a des choses probablement qui n'ont pas été.
mais il sera difficile de le dire. Et comme je dis, voilà, pour ma part, gagner aussi une CAN, je pense qu'il faut, c'est pas forcément des meilleurs joueurs, mais c'est quand même, c'est un groupe bien soudé qui peut gagner une CAN. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je pense quand même qu'il y a eu des manquements. C'est pour ça qu'on n'a pas... En tout cas, si ça doit s'expliquer comme ça, je pense peut-être qu'on a eu des manquements. Vous avez évolué à Portsmouth, à Lens, à Anderlecht. Êtes-vous satisfait de votre parcours en club? Oui, je suis satisfait, sans hésitation. Je suis très content pour ce que j'ai fait. Un gamin de 19 ans qui signe dans un club professionnel... Anderlecht, qui est un grand club, ensuite qui passe par Lens, après qui va à Portsmouth. Bon, j'ai fini au Qatar. Pour moi, ça a tous été des expériences très enrichissantes les unes que les autres. Depuis quelque temps, on vous voit avec l'équipe nationale. C'est quoi votre rôle véritablement? Il est purement sportif. Voilà, le coach, j'aide le coach à développer son projet sportif. Dans pas mal de choses, mais mon rôle, il est purement sportif. Et quel est votre regard sur les éléphants en termes de potentiel et de qualité de jeu? Je pense qu'on a un très bon potentiel. Je pense que le coach, il fait un travail fabuleux. Je suis même bluffé de son management. Et j'espère vraiment que ici la CAN, on sera fin prêt pour apporter le meilleur possible aux Ivoiriens. Vous êtes proche des éléphants de Côte d'Ivoire. Que pouvez-vous nous dire sur les absences de Seko Fofana, Zaha ou encore Jonathan Mbamba lors du dernier regroupement des éléphants? Écoutez, c'est le coach. Le coach est le seul maître à bord quand il fait ses sélections. Donc le coach, c'est le coach qui pourra peut-être vous répondre sur ça. Ce n'est pas fait de langue de bois, hein, mais c'est le coach qui pourra vous répondre là-dessus. Parce que voilà, c'est lui qui fait ses sélections. Et puis voilà. Maintenant, le coach, il est libre de sélectionner qui il veut. Et je pense, dans une de ses interventions, il a dit qu'il avait discuté avec les joueurs. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de débat sur ça, quoi. Ronald Denané, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Eh bien, ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir des nouvelles d'Aruna Dendani. Voilà, dorénavant, on va corriger. Hein. Attention. Alors, Nasser, est-ce que vous partagez son avis sur le bilan qu'il fait de sa carrière en club? Plus ou moins, parce que, je dis, vu son potentiel, vu ce qu'il nous a montré à ses débuts, personnellement, et je pense que beaucoup avec moi, auraient espérer mieux. Mais quand on regarde derrière quand même ce qu'il a fait, et on parlera par exemple à titre comparatif de Zougoula Kevin tout à l'heure, franchement, il aurait rêvé d'avoir une carrière à la Aruna Dendané, quoi. Donc oui, il a marqué son histoire dans trois clubs, pour moi, hein, dans lesquels il est passé. Il a vraiment marqué son histoire dans trois clubs. C'est l'ASEC, Anderlecht et le RC Lens. Après, ça a été plus difficile à partir des années 2007-2008 avec Portsmouth. Le transfert a été compliqué. Ensuite, il a échoué au Qatar, il faut le dire, à l'Ekuia. Il est revenu, il a signé à Crystal Palace. Aucun match disputé, l'aventure a tourné très court. Donc, il a bien commencé sa carrière pour moi. Il aurait pu atteindre un sommet supplémentaire. Alors justement, qu'est-ce qui lui a manqué, hein, à Aruna Dendané pour jouer, ne serait-ce que dans un top club européen? Alors, je pense que ce sont des faits de carrière. Il y a eu déjà la perte malheureuse de sa fille en janvier 2006. C'était en pleine CAN d'ailleurs, on s'en souvient tous. Il y a eu sa rupture des ligaments croisés en 2008 également. Donc ces faits-là, pour moi... Qui ont freiné sa carrière. Mais je pense surtout le décès de Raïssa, sa fille, parce que c'était un moment où vraiment il était au sommet. Oui. Il était au sommet et là, il était prêt à franchir un palier. Et cette triste nouvelle, ce drame-là, l'a ramené vraiment en dessous. Après, ça a été difficile de repartir. Alors, on rappelle qu'il est quand même manager, hein, de l'équipe nationale. Ah, effectivement. Un mot sur ses fonctions? Oui, ben, j'ai eu le plaisir de le rencontrer au dernier regroupement des éléphants à Boaké face aux Comores. Toujours fidèle, hein, à ses principes, donc très sobre, très calme. Il était d'ailleurs assis tout seul dans son coin, enfin avec ses compères Cyril Domoro et les autres. Ils étaient dans leur coin, très sobre. Je pense qu'il fait son travail dans l'ombre,
Et il laisse la lumière aux sélectionneurs. Oui, ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, on va marquer une nouvelle pause hein, dans ce numéro de NCI Sport. Juste après la pub, eh bien, il y aura un doc exclusif sur Kevin Zougoula. Et puis, on parlera, allez, pour votre plus grand bonheur, des quarts de finale de la Coupe de la Confédération avec la qualification de l'ASEC Mimosa. Ben, ce sera dans quelques instants. À tout de suite. Allez, top départ hein, de la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Ben, j'espère que vous passez une belle soirée, hein, une belle soirée sport en notre compagnie. Le rendez-vous, c'est tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Et on va poursuivre notre beau programme avec nos internationaux hein, qui ont connu un meilleur rendement. Oui, ce week-end, les températures dans le Thermopro d'Armel Yao et Marco Seri. Quel temps il a fait chez les internationaux ivoiriens ce week-end? C'est ce qu'on saura dans ce Thermopro. Deuxième, toujours. Toc de ce soir. Il a longtemps été l'attaquant numéro 1 en Ligue 1 ivoirienne, mais des situations difficiles, hein, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan personnel, vont finalement mettre un frein à cette belle carrière à laquelle il était prédit. Kevin Zougoula nous raconte son histoire dans un doc inédit qui vous est proposé ce soir par Eliane Tapé et Marco Seri. Je suis né le 20 avril 1988 à Dabou. Je découvre le football qui m'envoie en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée et en Roumanie. Je suis Zougoula Kweli Kevin. Je vous raconte mon histoire parce que un jour le soleil s'est couché. L'histoire de Kevin Zougoula aurait dû être le beau conte qu'on raconte les soirs au coin du feu. Trois saisons durant, l'ancien buteur du CW Sport de San Pedro a mis les défenses adverses au supplice et la Ligue 1 à ses pieds. L'auteur de ce but fait est le numéro 23, Zougoula Kweli Kevin. Les débuts de Kevin Zougoula dans le football n'invitaient pas forcément à l'enthousiasme. En témoignent les clubs par lesquels il est passé. Ma carrière débute depuis le centre de formation Sila Efré à Gamé. C'est de Sila Efré que j'ai signé au Sabé Sport de Bouna. Du Sabé, je suis allé à Guibéroi, à J Football Club de Guibéroi. Et de Guibéroi, j'ai signé à l'AS Roi Gaillot. C'est de Roi Gaillot maintenant. Je signe au CW Sport de San Pedro. Comme c'est souvent le cas, un concours de circonstances va précipiter la destinée du natif de Dabou. Zougoula Kweli Kevin, je le rencontre lors d'un match de Coupe nationale qui opposait le CW Sport à Ouragayo FC au stade municipal de Yamoussoukro. Je pense que nous menions ce jour-là 2-0. Quand à la mi-temps, il a renversé totalement le score, il a eu à lui un triplé qui a permis d'éliminer le CW Sport. C'est ce jour-là que j'avais déjà fait attention à son profil. Très vite, Zougoula se trouve une place de choix dans le groupe du CW Sport de San Pedro, dans le cœur des supporters et même des journalistes. Il a apporté de la lumière, tout simplement, de la lumière au jeu du CW. Il a apporté ce qui manquait le plus, l'efficacité sur le plan offensif. Et puis en Coupe d'Afrique, et c'est en Coupe d'Afrique que Zougoula Kevin est rentré, j'allais dire, définitivement dans nos cœurs. Ses exploits en Ligue 1 et en Coupe d'Afrique des clubs font de lui la priorité des écuries du continent et au-delà. J'ai effectué un voyage à l'extérieur du pays, en Roumanie. Mon premier match, j'ai marqué un but qui donne la victoire au club. Déjà, ça m'a motivé pour dire que ah, c'est que je peux. Mais, contre toute attente, le rêve tourne au cauchemar. J'ai eu des problèmes avec mon président de club du CW Sport de San Pedro. Et il vient après pour dire que non, le joueur encore 3 mois de contrat avec lui. Et le club roumain, ils m'ont dit, ah si,
tu as encore un contrat de 3 mois avec le président du CEWE, et il peut pas régler mon problème parce que ils ont déjà tout fait. Le transfert avorté en Roumanie au Dynamo Bucarest porte un coup au moral du buteur ivoirien. C'est l'amorce de la descente aux enfers. Pour le talent qu'il avait, mais c'est pas ce destin-là qu'on lui prédisait. C'est pas cette carrière-là qu'il devait avoir. Pour moi, qui les ai eus, qui les ai dirigés, ça peut être un regret pour moi. Malheureusement, ses infortunes ne se limitent pas qu'au plan sportif. J'ai signé à AS Douane du Burkina. Étant au Burkina, c'est là que tous mes problèmes commencent avec ma femme. Là-bas, j'ai touché 225 000. Donc moi, j'envoyais 125 000 et puis 100 000, je mettais sur moi. Elle trouvait que non, c'est trop peu ce que je lui envoie. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, le jour que tu viens, tu ne me vois pas, c'est que je suis parti. Pour moi, elle s'amusait. Quand les vacances sont arrivées, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je trouve que la maison qu'on occupait, elle a libéré la maison, puis elle a pris tous les biens, elle est partie avec. On était mariés légalement, communauté de biens, donc elle avait accès à tout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où elle se trouve. Dépité par toutes ces mésaventures, sans activité rémunératrice, le natif de Dabou décide d'abandonner le foot pour se consacrer à un tout autre métier. J'étais obligé d'aller m'engager avec une société de gardiennage pendant 2 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Rattrapé par le virus du foot, il se laisse convaincre par un club de division 3. Aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe de 2-3 Alliance Football Club d'Abangourou. À 35 ans, loin des projecteurs du stade Robert Champroux qui l'ont vu éclore, Zougoula a-t-il les arguments pour revenir ? Tout dépend de son courage, tout dépend de sa force. Moi, je sais qu'avec Dieu, c'est jamais trop tard. Je suis Zougoula Kweli Kevin. J'ai toujours la force, j'ai toujours la foi. Et je sais que je peux rebondir encore. Bon, difficile hein, de rebondir après tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient d'entendre. Nasser, qu'est-ce que vous pensez justement de la situation hein, de Kevin Zougoula? C'est dramatique, dramatique, surtout son problème familial dont il a parlé. Parce que pour ce qui est du domaine sportif, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une carrière qui aurait été ratée à cause justement du niveau dans lequel notre championnat se trouve et surtout du niveau financier de notre championnat. Parce que pour quelqu'un qui termine 3 fois meilleur buteur de suite du championnat, qui termine meilleur joueur du championnat en 2012, honnêtement, sportivement, ce n'est pas une carrière ratée. Si et seulement si le championnat, notre championnat, était à un certain niveau. Vous vous imaginez quelqu'un qui termine triple meilleur buteur du championnat de France, mais il a une carrière réussie. Aujourd'hui, 87 buts inscrits en 177 matchs. Oui, mais vous voyez, donc franchement, sportivement, peut-être à cause du niveau dans lequel se trouve notre championnat, on parle de carrière ratée, mais sportivement, pour moi, c'est pas raté. Après, en équipe nationale, c'est une autre histoire. Parce que, on en parlera. Sûrement, mais c'est surtout financièrement quoi, qu'il est passé à côté pour un tel talent finir... à ce stade-là, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est la fin. Hein. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il a un moral haut, mais quand même, à 35 ans, je ne vois pas comment, après 1 ou 2 ans, on a parlé d'arrêt de jeu, il puisse revenir à un haut niveau. C'est chaud. Là. Vous comprenez qu'il n'ait jamais été sélectionné, justement, avec les éléphants A? Ouais, il a reçu une préconvocation en mars 2013, si ma mémoire est bonne, hein, alors qu'il venait, il avait terminé la saison d'avant meilleur joueur du championnat, mais c'était à
à la fin, mais on était toujours quand même dans la période glorieuse des éléphants, dans la génération dorée. C'était très difficile d'avoir une place, notamment en attaque, là où on avait Didier Drogba et tous ses amis que vous connaissez. Donc, ce n'est pas étonnant, mais je pense que n'eût été sa chute, il aurait forcément eu son mot à dire, peut-être après la CAN 2015. Alors, vous le disiez, hein, 35 ans, là, il est en 3e division. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être une chance qu'un club de l'élite puisse lui faire à nouveau confiance? Comme je disais tout à l'heure, ça m'étonnerait vraiment. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo non plus, hein, malgré toute la volonté, malgré tout ce qu'il a comme courage. Mais je ne pense pas. Mais ceci étant... S'il nous écoute, je ne lui demande pas d'abandonner ou de baisser les bras. Non, du tout. Hein. Il a un moral d'acier. Ouais. Qu'il continue comme ça et on ne sait jamais. Tout va très, très vite en football. D'accord. Ben, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage. Hein. Et ça nous a un peu glacés, mais bon, ouais. On lui souhaite énormément de courage à Kevin Zouboula. Allez, on va terminer avec la bonne nouvelle. Hein. La bonne nouvelle, c'est en Coupe de la Confédération, hier dimanche au Stade de la Paix de Bouaké. L'ASEC Mimosa s'est qualifié pour les demi-finales de cette compétition en battant l'US Monastir sur le score de 2-0. Les réalisations de Carlos Zouzou à la 45e minute et pas comme Zouzoua à la 90e ont suffi au bonheur des Mimosas. Le club jaune et noir imite ainsi les portuaires du CW Sport, finaliste en 2014. Alors, dans les autres matchs, Marumo Galens a battu Pyramids 1-0, 0-0 entre les Young Africans et Rivers United, et puis le Far Rabat a battu l'USM Alger 3-2. Alors en demi-finale, l'ASEC Mimosa croisera le fer avec l'USM Alger, quand l'autre affiche mettra aux prises les Tanzaniens de Young Africans et les Sud-Africains de Marumo Galens. Alors, bon, bah déjà, oui, vous étiez content. On vous a vu sur les réseaux, voilà. Mais bien sûr. Vous étiez très content. Ben, on l'est, hein, d'ailleurs, parce qu'on est tous derrière l'ASEC hein, dans cette compétition. Alors, l'ASEC a su éviter le piège des Tunisiens de Monastir. Qu'est-ce qui a fait la force, justement, de l'ASEC? Comme ce qui fait sa force depuis la 3e journée de la phase de poule de cette compétition-là, tout d'abord sa solidité défensive. Depuis cette fameuse 3e journée où l'ASEC s'est métamorphosée complètement, c'est un seul but encaissé en 6 matchs. Avec cette paire en défense centrale, Trabitra Anthony ou Onlo Koulibaly, du très 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 solide. Et je pense que devant... Ça s'appuie au fait sur cette solidité défensive-là pour essayer de faire la différence. Après, en attaque, ça pêche un peu, encore, mais on va pas faire les mauvaises langues. Voilà, on a gagné, enfin, la Côte d'Ivoire, je veux dire, hein, les Ivoiriens, ont gagné 2-0 hier. On est content. D'accord. Alors, prochain adversaire, donc, c'est l'USM Alger hein, en demi-finale. Vous pensez qu'on peut les battre ou pas? Mais à ce stade de la compétition, tout est possible. Et franchement, c'est une compétition que je trouve très homogène. Parce que l'USM Alger s'est qualifié, mais a perdu hier à domicile 3-2 face au Far Rabat. C'est sa victoire 2-0 au Maroc, au match aller qui lui permet de se qualifier. Donc franchement, c'est une compétition qui est très, très, très homogène. Contrairement à la Ligue des Champions, on a vraiment 3-4 têtes d'affiche. Là, c'est vraiment très homogène. Je pense que toutes ces quatre équipes-là peuvent remporter cette compétition, même si je mettrais quand même les Young Africans avec leur paire d'attaque, Fiston Mayele et Ki Aziz, un peu devant. Alors, c'est vrai que l'entraîneur avait fait cette déclaration qui avait fait grincer des dents quand même, hein, lors de la participation donc, à la Ligue des Champions, où il avait dit que l'ASEC n'était pas une équipe taillée pour la Ligue des Champions, mais plutôt pour la Coupe de la Confédération. Finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous regardez ce à quoi l'ASEC manque sa qualification pour la phase poule de la Ligue des Champions face à Oroya cette saison, on se dit, et quand vous regardez même le niveau que cette équipe a montré hier, j'entendais certains spécialistes qui nous disaient que c'était le niveau Ligue des Champions. Alors, si on est en Coupe CAF et qu'on dit qu'on a le niveau Ligue des Champions, et quand on est en Ligue des Champions, qu'on se fait éliminer, on dit qu'on a le niveau de la Coupe CAF, non, je pense que l'ASEC, ça reste tout de même... Une petite déception de ne pas s'être qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais là, il faut aller jusqu'au bout. C'est un trophée qui manque dans la vitrine
de la SEC Mimosa, donc pourquoi pas. Et ben voilà, donc tous derrière la SEC Mimosa, hein. La prochaine rencontre, c'est face à l'USM Alger et on espère qu'on ira en finale. Voilà, allez, et ben écoutez, c'est la fin hein, de ce numéro de NCI Sport. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Merci beaucoup, Nasser. Si tu y as. Et ben à très bientôt. Hein. Au plaisir. Ah ben oui. Et ben vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, oui, lundi prochain à partir de 20h30. D'ici là, passez une excellente semaine. Et ben on se laisse comme d'habitude avec des prolongations qui vous sont proposées par Hervé Kiesse. Bye bye.